Je suis en compagnie de Mathieu et Gaston, deux jeunes Linois. Ils sont tout juste âgés de 20 ans. Ils ont créé une marque qui s'appelle Dacri. Alors Mathieu, parlez-nous au départ, quand vous avez créé cette marque, c'était destiné à quoi ces masques? Alors, on a commencé à créer la marque, du coup on habillait des événements, des DJ par exemple. On a commencé avec ce masque, qui est le premier modèle de Dacri. Donc qui est un masque en cristaux Swarovski, entièrement fait à la main. Et ensuite on a su se réinventer, et on a produit des masques en résine hypoallergénique. Donc c'est une matière qui est totalement faite pour la peau, aucun risque d'allergie, totalement malléable. Hein. Le masque est... Donc la matière c'est quoi? Alors de la résine hypoallergénique, oui. TPU. Donc le masque est entièrement malléable, notre slogan c'est éternel, il est éco-friendly, parce que vous, je sais pas vous, mais si vous promenez dans Paris, il y a beaucoup de masques à terre. Avec celui-ci, le problème est réglé. Il est lavable. Lavable à la fin. À vie? À vie, bien sûr. Le seul truc à changer, la doublure after niveau 2. Voilà. Alors qu'on incorpore dans le masque au milieu. Voilà. Qui protège l'utilisateur à 100%. Voilà. Donc, l'utilisateur, sa petite languette. Voilà. C'est livré avec une boîte de 5, hein, Gaston? Ouais, c'est livré avec une boîte de 5. On a directement 5 filtres dans toutes les boîtes qu'on vend. Donc, on les livre avec dans une boîte comme celle-là. Vous pouvez voir avec directement des pochons, avec directement le livret d'utilisation. Et voilà. Donc, on peut les laver à base de combien ces petites languettes? Alors, vous pouvez les laver 25 fois chacune, en dessous de 80 degrés, c'est la seule recommandation. De la même façon que vous laveriez par exemple un masque en tissu, et elles ont directement la performance de pouvoir en fait être 5, donc directement avec 5 doublures, on peut changer très facilement de doublure, voilà. Et donc après, on peut en racheter par boîte de 5. Voilà. Pour la modique somme, si je me rappelle bien, de 10 euros. 12 euros. 12, bon. 12 euros, exactement. La modique somme, hein, 12 euros. Voilà, vous en avez 5 et vous êtes directement reparti pour 5 fois 25 lavages, donc 125 lavages. C'est quand même une façon très esthétique d'y allier le nécessaire, donc voilà. Bon. Est-ce que vous êtes conscient qu'à vous deux, vous êtes en train de révolutionner le port du masque? Bah peut-être bien en fait, c'est vrai que le masque est devenu un accessoire de mode. Nous, comme vous pouvez le voir sur vous et sur moi. Malheureusement, on en aura besoin pour assez longtemps, je pense. Bah pas forcément, on n'est pas sur ce credo-là. Quand vous voyez par exemple l'Asie, c'est un outil qui est arrivé dans le quotidien. Au même terme que la montre de luxe ou le costume. Pourquoi pas le masque? En plus, le masque, ça nous appartient dans une histoire qui est assez, on va dire, assez folle. C'est l'identité, c'est les super-héros. On peut vraiment partir dans n'importe quel mouvement. Donc nous, forcément, on se dit que voilà, on a créé un masque qui se voit, un masque qui se remarque. Maintenant, à vous de l'essayer. Voilà. Et surtout, Gaston, c'est très écologique parce qu'on a marre de voir tous ces masques sur le bord des trottoirs, voilà. Dans les caniveaux. Voilà, directement, c'est aussi une plus-value qui est apportée avec le produit. En fait, la coque est éternelle et du coup, justifié par le prix et justifié par le design, c'est quelque chose qu'on a envie de garder, qu'on évite de jeter et qui est vraiment très important en ces temps quand on voit beaucoup de masques par terre. Je pense que la pollution est vraiment le dernier problème qu'on peut en plus apporter à la société en ce moment. Donc c'est vraiment très important d'allier ce côté nécessaire, parce que le masque est obligatoire et on peut rien y faire, mais pourquoi pas y ajouter une petite touche un peu plus joyeuse en y ajoutant du design. Donc voilà, c'est le pari de la maison d'Acry. C'est plus fun. Et alors, pour conclure, Mathieu? Alors, tous nos masques sont faits 100% en France, à la main. C'est important de le rappeler. Hein. Voilà, par nos couturières qu'on salue. C'est écrit sur le livret. Ça permet également, donc la France est reconnue dans le monde pour son luxe, sa durabilité. Donc avec ceci, vous obtenez un masque qui est 100% respirable. 100% made in France. 100% made in France. Je peux pas faire mieux. chapeau les garçons. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Gaston, Mathieu, ils ont révolutionné, ils ont trouvé un produit révolutionnaire, esthétique et fun. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup.